Bonjour les amis de la lecture. Aujourd'hui, nous allons lire notre histoire qui s'intitule « Pourquoi tu m'aimes ?» Pourquoi tu m'aimes, c'est une histoire d'un petit garçon qui pose différentes questions à son père. Il est juste curieux de savoir pourquoi est-ce que son père l'aime. Alors, nous aussi, des fois, ça nous arrive de dire à nos amis pourquoi nous les aimons. C'est toujours important de dire pourquoi est-ce que je t'aime. Je t'aime parce que tu es ma meilleure amie. Je t'aime parce que tu es mon meilleur ami. Je t'aime parce que tu es mon père adoré. Tu es ma mère que je préfère. Tu es la meilleure de toutes les mamans du monde. Alors, dans la lecture, le petit garçon a posé différentes questions à différents contextes à son papa pour savoir pourquoi est-ce que son papa l'aime. Nous allons ensemble découvrir ces questions et les différentes réponses de papa à son fils. Alors, venez avec moi. Nous allons le découvrir à tout à l'heure. Au revoir. Pourquoi tu m'aimes? C'est un livre, histoire écrite par Martin Beaton. Est-ce que tu m'aimes? Demande le petit garçon à son papa. Papa répond, oui, je t'aime énormément. Alors, pourquoi m'aimes-tu, papa? Oh, pour plusieurs raisons. Je t'aime pour plusieurs raisons. Tu m'aimes parce que je suis fort, papa? Peut-être. Tu m'aimes parce que je cours vite? Oui. Et je t'aime aussi quand tu marches lentement. Papa, et quand je suis gentil, tu m'aimes aussi? Bien sûr! Oups! Oh oh! Qu'est-ce qui est arrivé à papa? Tu m'aimes quand je suis brave, papa? Oui, mais fais attention! Et tu m'aimes quand je suis drôle, papa? Oui, mais s'il te plaît, fais très, très attention. Tu risques de tomber. Tu m'aimes aussi quand je suis très adroit? Oui, attention! Oh non! La branche est toute cassée. Tu m'aimes quand je ne suis pas sage, des fois quand je n'écoute pas, papa? Oui, même quand tu n'es pas sage, je t'aime pareil. Autant que quand je le suis? Oui, tout autant. Je t'aime toujours. Pourquoi alors j'essaye d'être sage? Pourquoi j'essaye d'être sage alors? Je ne sais pas. Dis-le-moi. Parce que je t'aime moi aussi. Merci beaucoup, chers amis de la lecture, pour votre attention. Nous venons de terminer notre lecture qui s'intitule « Pourquoi tu m'aimes ?». Nous allons nous revoir à la prochaine vidéo pour une nouvelle histoire. Merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.